Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va se passer encore une fois sur l'application HomeCourt. Par contre, il semblerait que l'application ne soit disponible uniquement sur l'Apple Store. Du coup, pour ceux qui sont sur Android, pas de souci, vous me suivez. Les autres, on y va, on lance l'application. Aujourd'hui, cette séance sera composée de 4 exercices. On commence tout de suite avec le premier qui s'appelle Split Step Reaction. Cet exercice, vous le connaissez puisqu'on l'a déjà fait dans l'autre vidéo, il s'agit d'aller toucher les pastilles vertes sur l'écran en évitant les pastilles rouges. Par contre, aujourd'hui il y a une variante puisqu'on travaille l'agilité au niveau du bas du corps et surtout des pieds. Donc on va devoir se placer en position légèrement fléchie et on va devoir tapoter les pieds en les ramenant sous le centre du corps 3 fois avant de pouvoir toucher les pastilles. Ça donne à peu près ça. Alors du coup c'est parti, on clique sur l'exercice qui s'appelle Split Step Reaction et on y va. Pour cette séance, on va passer au deuxième exercice. Cet exercice s'appelle dans l'application Lateral Hoop. Au sol, il va être dessiné des cerceaux sur l'écran de chaque côté et il va falloir sauter dedans au fur et à mesure. Attention, au milieu il y a un petit cône, il ne faut bien sûr pas taper dedans. Alors comme vous voulez, vous pouvez soit sauter pieds joints ou un pied puis l'autre. Donc on va amortir avec la pointe de pied lorsqu'on va sauter. Ça sert à rien de sauter et de retomber sur le talon comme un patapouf. Le but, c'est d'amortir. Allez, c'est parti, on tape donc sur Lateral Hoop et c'est parti. On est parti pour l'exercice suivant qui s'appelle dans l'application Footwork Ladder. Très simple, il y a des petits carrés au sol qui s'affichent, il suffit de les suivre avec ses pieds. Des fois ils sont côte à côte, des fois ils sont écartés sur le côté ou au milieu. Donc il faut aller vite pour gagner un maximum de points, mais il faut le faire correctement pour bien appuyer sur les petits carrés. Allez, on s'arrête pas en si bon chemin, dernier exercice qui s'intitule dans l'application Agilité Hurdles, c'est-à-dire très simple, agilité au-dessus des haies. Il faut passer au-dessus de la haie sans toucher la haie. On y va ?
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous pour nous indiquer vos records. Et n'hésitez pas non plus à parcourir l'application parce qu'il y a plusieurs petits défis qui sont par deux qui peuvent être bien sympathiques.